Bonjour et bienvenue, c'est Benoît. On se retrouve pour le 20e épisode de Final Fantasy VII Remake. Donc allez, dans un premier temps, ce qu'on va essayer, c'est de récupérer la mata de Shiva. Shiva, l'espèce de femme glace qui va nous servir. Et après, on va se diriger vers une arène pour pouvoir participer à un tournoi très spécial. Donc allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour ce 19e épisode de Final Fantasy VII Remake. Donc allez, il faut aller voir Madame M. Que vous me fassiez une lettre de recommandation pour l'audition de Don Corneo. Eh bien, on peut dire que tu as des goûts étranges. Je suppose que je peux faire ça. Vraiment? Par contre, ces vêtements, c'est pas possible, ma chérie. Quoi? Je peux vraiment pas recommander une fille qui porte des fripes de mendiante. Don Corneo risquerait de ne plus me faire confiance après ça. Ils sont pas bien, mes vêtements? Ils ont l'air confortables. vas-y, on va dire laisse-la parler. Laisse-la parler. Je les aime bien, moi, pourtant. Sortez du magasin si c'est pour flirter. Ah, excusez-nous, mais qu'est-ce qu'on fait pour les vêtements? Mais ne t'inquiète pas, je vais te choisir le costume parfait. Corneo ne s'en remettra pas, tu peux en être sûr. Du moment que tu payes, bien sûr. C'est combien? 1 million. Mais rien qu'à votre dégaine, je sais que vous n'avez même pas le quart de ce que je demande. C'est pourquoi j'ai un marché à vous proposer. Hein? Vous savez peut-être qu'il y a une arène souterraine dans cette ville. Mon petit Cloud, je voudrais que tu y participes pour moi, en tant que mon candidat. Si tu gagnes, je ferai d'Iris une femme fatale, plus belle que tu n'aurais pu l'imaginer. Il y a une récompense? Oui, pour la personne qui te recommande, c'est-à-dire moi. Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est d'accord. Oui, bonne réponse. Tiens, prends ça. Les inscriptions ont déjà commencé. Dépêche-toi d'aller à l'arène, s'il te plaît. Ok. Bon. Apparemment, il va falloir participer à un tournoi. On sera seul ou on sera avec Iris? Je sais pas, mais dans cette ville, c'est sûrement pas un tournoi loyal. Tu penses pouvoir gagner? La question se pose même pas. C'est bien d'être confiant, mais fais quand même attention à toi, d'accord? Attends. Ok, il y a un truc là. J'essaie d'acheter des choses. Bienvenue. On ne propose pas que des médicaments ici. Ok. Des culs de phénix. C'est vrai qu'elle m'a plumé l'autre là. On va en prendre 9 de plus. Tiens, on va prendre la Onibin. Vas-y, allez, hop. Ok, et qu'est-ce qu'on peut vendre? Objet. Grenade, je vais garder Curdy. Ah ouais, Curdy. Allez. Ok. Je peux vendre aussi des matériaux. Protection, c'est pas ouf ça en vrai. Je vais le vendre. Botte protectrice. C'est qui la porte? Personne. Ok. On vend. Ah ça, je peux le garder. Ah, c'est là en titane. Ok, on va. Allez, let's go. Ce que je vais faire. Apparemment. Cela en titane. Ouais. Ok. Je peux mettre mon matériel là? Ok.
Bon, récupération, extra foudre, analyser, glace. Qu'est-ce que je peux mettre? Truc intéressant. PM augmenté. Ouais, ça peut être pas mal, PM augmenté en vrai déjà. Je peux mettre feu. Ré, c'est la quoi la foudre, Ré, je crois. Non, la glace. Je mets du feu, vas-y. Je mets du feu. Foudre extra soin. Allez-y. Glace, je vais l'enlever. Extra glace, j'ai quand même bien amélioré. Vas-y, on reste comme ça. Ok, et Aeris. Ah, ok. Ah, il faudrait. Je sais ce que je veux faire dans cet épisode. Avant toute chose, on va aller voir Chadley. Et on va essayer de. On va essayer de prendre. Prendre Shiva. Ah, il y a un coffre là. Je pense qu'on va faire ça. Parce que il me faut Shiva. Je le donne à Aeris au moins. Ça peut être pas mal en vrai. Par contre, je sais pas où les Chadley, je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus du tout. Ok, là. C'est un sacré labyrinthe. Ok. Oh. Oh, c'est joli ici. Où est Chadley? Je crois qu'il est pas loin de là. Hein, voilà. Votre attention, s'il vous plaît. La coupe Cornéo va commencer. Mettez-vous en ligne et avancez dans l'ordre. Sans pousser. Où est Chadley? Ok, c'est là. Ah là. Allez. Cloud, moi, je suis prêt à me déplacer n'importe où pour mes recherches. Mais mes progrès dépendent de votre contribution. J'espère pouvoir toujours compter sur votre aide. Bien sûr. Allez. C'est parti. Équipez-vous du simulateur. Ah putain, mais j'ai pas toute ma vie. Oh. On va récupérer notre vie quand même. Ok, donc j'ai trouvé un truc pour dormir et il y a un nouveau truc qui est apparu, c'est gros chocobo. Donc on va d'abord battre Shiva, ce qui est le plus important, et après on essaiera de combattre le gros chocobo. On va peut-être le faire dans le même, on verra. Très bien. Équipez-vous du simulateur de combat portable, s'il vous plaît. Ouais, c'est en donnant nos données d'analyse, il nous a dit que le gros chocobo était disponible. Donc allez, c'est parti. Allez. Attention. Ok. Ok. Alors déjà, vas-y, on commence par mon extra feu, vas-y. Allez. Et. Ok. Voilà. Attention. Qu'est-ce que je peux faire avec Aeris? Vent? Non, vent. Par notre extra feu. Allez. Allez. On est en train d'éclater quand même. Ok. Attention. Attention. Ah. Attention. Elle fait mal quand même. Allez. Extra
coiffeur encore une fois. Ok, il a rien senti. Ça c'est chiant ça. C'est chiant ça. S'il me protégeait par ici. Sors. Allez. Ok. Et il faut détruire sa barrière. Et cette barrière est détruite. Non. Allez. Ok. Allez, on le défonce. On la défonce. Allez. Allez. On est mid-life. Mid-life. Je vais mettre un petit éther pour Cloud. Il n'y a plus grand-chose. Oh. Ok, on va invoquer Ifrit. Vas-y. Va nous faire des dégâts lui. Allez. Ok. Ok. Plongeons les carlettes. Sort. Extra feu. Ok. En train de la défoncer là, Shiva. Oh, c'était. Oh, c'est en train de la littéralement la défoncer. Ok. Attention à la barrière. Oh, il y est plus. Elle a plus. Ah, attention. Ça fait très mal. Voilà. Bien sûr. Alors, sort. Un petit soin à Iris. Méga glace. Ok. Transcendance, vas-y. Allez. Ok. Et bientôt dead. Hein. Bon, on va faire un petit soin, pas un extra soin. Ça suffit. Allez. Ifrit qui fait le taf là. Magnifique. Oh là là, on l'a éclaté. On l'a éclaté. Je galérais il y a quelques épisodes, et là on l'a littéralement éclaté. La matéria de Shiva est achevée grâce à vous. Cette matéria d'invocation est pour vous. Prenez-la. Le froid sourire de la Reine des Glaces est parfait pour vous, selon moi. Gardez-la précieusement avec vous jusqu'au jour où la Shinra sera vaincue. Magnifique ça. Voilà la coupe Cornéo. Mettez-vous en ligne et avancez. Alors c'est ici. Sans pousser, s'il vous plaît. Oh monsieur. Vous voulez vous inscrire au tournoi? Vous arrivez juste à temps. Vous participez en équipe? Non, c'est seulement pour... Oui, on participe tous les deux. C'est pour moi qu'on essaie d'obtenir une recommandation, non? Donc j'ai le droit de participer à la compétition aussi. Ok, c'est bon. Vous pouvez aller dans la salle d'attente, au sous-sol. Ok. Allons-y. On est pas trop mal équipé. On descend plus bas que ce que je pensais.
On devrait bientôt. On verra, ça va le faire. Je me demande combien de gens y participent. On verra ce que ça donne. Non. Vraiment ? Je te trouve bien silencieux pourtant. Toi, par contre, tu devrais t'inquiéter un peu plus. Hé ! Par ici ! Faites vite ! Midgar est la cité qui ne dort jamais. Et l'un de ses plus scintillants joyaux n'est autre que Wall Market. Le quartier qui vous prend en trip et qui vous permet d'assouvir tous vos désirs les plus fous. Vous avez dû réfréner de maintes tentations pour venir ici ce soir. Nous sommes honorés de vous accueillir parmi nous. Vous avez fait le bon choix. Ce soir, l'endroit qui déchaînera le plus de passion au monde, c'est, comme vous l'avez bien compris, ici. J'ai nommé l'arène souterraine de Don Corneo. Le grand prix de ce tournoi est la coquette somme d'un million de guilds. Et il n'y a qu'une seule règle, écraser tous ses adversaires. Les réduire en bouillie. Broyer tout leur sang. Sans aucune pitié. Leur faire vomir du et sang. Et leur faire lécher et ravaler. Seuls ceux qui seront encore debout à la fin. Seuls ceux-là auront mérité la gloire et le prix. Yeah. Place aux bêtes assoiffées de sang qui attendent avec impatience d'être enfin lâchées dans l'arène pour faire un carnage. Place au combat à mort entre adversaires de tout poil. Pour votre plus grand plaisir, nous déclarons ouvert le tournoi de la Coupe Corneo. Ok. Que cet endroit n'est pas très ordinaire. Stylé, stylé. Tenez, c'est ici que vous allez attendre votre tour. Ok. Ah, il y a tout ce qu'il faut. Eh bien... C'est pas encore votre tour de vous battre. Il y aura une annonce pour ça, alors attendez patiemment. Ok. Tenez, c'est ici que vous allez attendre votre tour. On attend où ? Peut-être en maintenant sur le banc. On est bon. Ah, il y a quoi là? Ah, Johnny. Vous êtes là, vous aussi. Oh, ton visage. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh ben, j'ai voulu me faire un peu d'argent. J'ai pris part à un combat d'avant-programme, et voilà le résultat. Croyez-moi, vous avez pas idée de l'endroit où vous avez mis les pieds. Si vous voulez un conseil de ma part, vous feriez mieux de déguerpir d'ici avant qu'il soit trop tard. Équipe de Cloud et d'Iris, votre combat va bientôt commencer. Présentez-vous à la porte de l'arène. On ne va pas s'enfuir, n'est-ce pas ? Allez, bien sûr que non, nous on est des guerriers, nous. Nous on est des guerriers. Allez. Vous vous êtes préparés ? Essayez au moins de ne pas vous faire tuer. Très bien. Et maintenant, nous allons accueillir deux jeunes tourtereaux. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire là ? En plus, c'est leur première fois. Ça va faire mal ! On peut dire qu'ils n'ont pas froid aux yeux, mais les auront-ils encore à l'issue du combat ? Je vous présente maintenant Cloud et Aeris. Rattrachez-vous, vous êtes nuls ! Cassez-vous ! Hé, hey, mec ! T'aurais dû amener ta copine ailleurs ? Que de cheval ! Vas-y, fais-nous voir tes pectos! Alors là, je vais me fâcher! Leur adversaire n'est autre que le célèbre maître des fêtes de Wall Market! Nous risquons une fois de plus de voir cette arène lui procurer de la pâte à bon chien! C'est qui vient du dessert aujourd'hui? Le rouge va chicler, les cris vont résonner! Leur soif et leur faim sont insatiables! Je vous demande d'accueillir les goûteurs de sang! Il y a des animaux.
bien voilà qui promet d'être intéressant. Deux frêles humains seront-ils de taille face à de telles bêtes féroces? Ne ratez pas une seule seconde de ce spectacle palpitant. Sans plus attendre le quatrième match du premier tour, que le carnage commence. Ok. Ok. On va les analyser. Alors, ils aiment pas la glace. Ok. C'est plutôt cool. Allez. Et l'autre, il aime pas quoi? Le dompteur de fauve. Le feu. Ok. Alors. Glace. Ok. Glace. Le A. Allez. Un moins, un mort. C'est lui. Ok. Feu sur le dompteur de fauve. Ok. Allez. Allez. Ok, ça fait un moins. Allez. Allez, hop. Magnifique. Magnifique. Le vainqueur est l'équipe de Cloud et Tyrese. Nickel. Premier combat remporté avec succès. Ok, on sort par là. Magnifique ça. Les combattants sont priés de retourner dans leur loge. Au moins, on a gagné le premier combat. Qu'est-ce que t'as ? Les règles sont beaucoup trop floues. Ah, espérons qu'elles seront plus claires lors du prochain combat. Ouais, j'y crois pas trop. Restons plutôt sur nos gardes. Ok. On va aller se reposer. Qu'est-ce que tu veux ? Récupérer nos vies. Équipe de Cloud et d'Iris, votre combat va bientôt commencer. Ok. Allez. Présentez-vous à la porte de l'arène. Let's go, on y va. Donc premier combat, pas très compliqué. Forcément, c'est le premier. Allez. Vous avez eu de la chance de gagner. Mais surtout, croyez pas que ça va durer éternellement. Vous êtes prêts à y aller? Surtout, tâchez de revenir en un seul morceau. Demi-finale. Passons à la suite. Le deuxième match de la demi-finale. Au côté, le couple qui a remporté son tout premier combat avec une chance insolente. C'est abusé, ils ont rien à foutre ici. Merci d'accueillir chaleureusement Cloud et Iris. Vous auriez jamais dû gagner. Cassez-vous de là. Vous m'avez fait perdre une fortune. Ouais, wouhou. Leurs adversaires, des assassins venus des ruines, des voleurs hors pair aux innombrables méfaits. Les hors-la-loi qui ont été chassés du quartier des hors-la-loi. Messieurs, dames, nous vous recommandons de vérifier qu'ils n'ont pas déjà volé votre portefeuille. Ce sont des fauriens sans cœur. Je vous demande d'accueillir la bande à bec. Quelle fumée, aussi abusé. Faites en fumée des mains. Ouais, c'est mieux. Il semblerait que l'équipe de Beck soit en fait composée de 8 combattants. Ils trichent. Dans cette arène, il y a
qu'une seule règle qui compte. Ouais. Si Don Corneo approuve, vous êtes obligé d'accepter son... Yeah. Yeah. Don Corneo est d'accord. Vraiment, c'est n'importe quoi. Ok. Comme qui dirait un déséquilibre numérique, non? Attendons-nous au chaos complet. Messieurs, dames, ouvrez grand les yeux et concentrez-vous pour ne pas en rater une seule miette. Sans plus attendre, le deuxième match de la demi-finale, que le Garden Smash! Let's go. Allez. C'est parti. Oh, vas-y, ça commence bien. Ok. Mon petit cut parce que il y a eu un bug, je sais pas ce qui s'est passé. Le jeu s'est quitté seul. Ok, allez, on va essayer. On va prendre Iris, ça va pas mal avec Iris là. Vas-y. Sort, classe, touch. Ok, allez, un coup. Allez, Butch. On va crever. Ok. Voilà, Iris, elle prend cher par contre. Hein. Attention. Ok, on va prendre un peu Cloud. On va la soigner. Parce qu'elle n'est pas en forme. Hein. Ok. Je prends cher aussi avec Cloud. C'est une dinguerie. Et là on va prendre Estra soin par contre. Ok. Allez. Ok, Iris. Je peux faire la transcendance. Ok. Ok. Okay. Sort feu. Ok. Ok. Sort glace. Sort feu. Faire gaffe qu'elle crève pas, Iris. Voici de là. On pourra faire sa transcendance. Moi je prends. Waouh, on va même pas avoir besoin d'utiliser au final. Allez hop, magnifique! Incroyablement incroyable! J'en crois pas mes yeux! Une fois de plus, ceux qui ont réussi à balayer leur vie à deux et à remporter la victoire sont. Mesdames et messieurs, l'équipe de Cloud et d'Aeris! Magnifique! Allez, on ressort ou pas? Ouais. Let's go. Magnifique. C'est qui se débrouille pas trop mal? Mais ça va de soi. Je lui ai fait un petit massage. À en croire ses mains, il a certainement trompé la mort plus d'une fois. Beaucoup de gens peuvent s'en vanter dans notre quartier. En tout cas... On se retrouve tous les deux en finale. Un petit pari? Tu changeras jamais. Un de ces jours, tu vas finir à la rue. Si ça arrive, je pourrai encore aller frapper à ta porte comme au bon vieux temps. C'était de très loin la plus grosse erreur de ma vie. Monsieur Andy, ce prince de la reine, il est d'une telle beauté! Pas vrai? La prochaine fois, c'est la finale. Ouais. Ça n'a pas l'air de te réjouir. Nos adversaires n'ont pas vraiment l'air de vouloir se battre. Sans doute, mais on est tout près du but maintenant. Continuons comme ça. C'est qui cet étrange personnage qu'on a vu, qu'on n'a pas vu sa tête? Ah, on va voir qui c'est, je sais pas du tout. Apparemment c'est Andy. On verra bien. Allez,
Présentez-vous à la porte de l'arène. C'est parti pour la finale. Let's go. Vous m'avez impressionné. C'était donc pas un coup de chance tout à l'heure. Alors, vous êtes prêts pour la finale? Je compte vraiment sur vous pour gagner, hein. J'ai parié sur vous. Bien sûr. Mesdames et messieurs, voici le moment que vous attendiez avec impatience. Cette coupe Cornuo a été remplie de surprises et de rebondissements. Il ne nous reste qu'un seul match à partager tous ensemble. Nous aurions aimé nous aussi que ce tournoi dure plus longtemps. Cependant, comme vous le savez bien, malheureusement toutes les bonnes choses ont une fin. C'est pourquoi je vous demanderai de faire beaucoup de bruit pour fêter comme il se doit cette grande finale. Hey! D'un côté, deux jeunes débutants qui ont vaincu de redoutables vétérans et en beauté. Le couple qui nous a offert un spectacle des plus inattendus. Les poulains de Madame M. Je vous demande d'accueillir Cloud et Iris. Ouais, plus fort que ça, vous faites pas assez de bruit là. Plus les adversaires qu'ils ont démembrés. Au mieux, ils les envoient tous à l'hôpital. Ils font le ménage partout où ils passent de façon très musclée. De véritables machines à tuer. Les champions de Chocobossam, je vous demande d'accueillir les tronçonneurs nettoyeurs. Yes. Des robots? Des armes de la Shinra. C'est permis, ça? Alors, laquelle des deux équipes remportera le million de guilds? Messieurs dames, préparez-vous à vivre un moment exceptionnel! La finale de la Coupe Cornéo! Que le carnage commence! Ok, alors, déjà, je sais plus c'est quoi qui craigne. On va regarder. Hein. Analyser. Mon sonneur, c'est la foudre. Ok. Ok. À faire gaffe, bien sûr. Ok. Je peux leur faire quand même. À eux, sort. Foudre. Circulaire gauche. Ouais. Ok. Sur glace, 6 circulaire gauche. Attention. Dégage de là. Là, je peux pas. Et... vas-y, je vais lancer une petite grenade. Ouais. Ok. Ils se foutent, se battent ou quoi? J'ai envie de retrouver mon capacité là. C'est chiant. Allez. Hop là. Ok. Alors, sort. Glace. Nettoyeur. Et moi, je vais faire un petit foudre. Sur un truc de 6 circulaire. Allez. Ok. Allez. Ok. Pognier là par contre. Faire un petit soin, pas besoin de faire... de fou, ok, super.
va refaire ça. Là, sur le nettoyeur. Ok. Allez. Ok. Par contre, j'aimerais bien récupérer mes pouvoirs, c'est cool. Ok. On va essayer de faire gaffe. Ah, lui, il est mort. Ah, putain. Ok, donc ça fait un au moins. C'est très bien. Oh. Sort. Classe. Sort. Juste un soin. Pas besoin de faire un truc de fou. Ok. Ok, magnifique. Magnifique. Ok, on se fait un petit soin là. J'en ai de la peine pour toi. Eh bien, tu es plutôt serein, dis-moi. Je m'attendais à te voir exploser de colère. Même quand on prend toutes les précautions, un imprévu peut toujours arriver. C'est pour ça que j'aime les paris. Ta pièce, elle a deux faces identiques, n'est-ce pas? A plus. Et maintenant, il est temps d'aller récolter mon prix. Désolé, Madame M, mais pas tout à fait. Sur ordre de Don Corneo, il reste un dernier match à disputer. Non. Il faut remporter ce match pour pouvoir empocher le prix. Attends deux secondes, tu te fous de moi ou quoi? Allez dire ça à Don Corneo. Maintenant, on va pouvoir aller sauver Tifa. Avant ça, il faut parler à Madame M. Elle doit te préparer une tenue, pas vrai? Oui. Je suis désolée de gâcher votre plaisir, mais c'est pas terminé. Vous allez devoir faire un autre combat. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que vous avez trop mis l'ambiance dans l'arène. La façon dont vous vous êtes battu a amené les spectateurs à parier beaucoup d'argent sur vous. C'est pas le genre d'opportunité que Don Corneo laisse échapper. Autrement dit? Si vous voulez remporter le tournoi une bonne fois pour toutes, vous allez devoir affronter un dernier adversaire de son cru. C'est pas ce qui était prévu? C'est plutôt à moi de me plaindre! Quel sale avare ce type! Cette espèce de sale enflure de merde, de saloperie de chiottes! Mais bon, on n'y peut rien. Dans ce quartier, c'est lui qui établit toutes les règles. Toujours est-il que si vous gagnez, qu'il le veuille ou non, il pourra pas tricher davantage. Il s'attirerait les foudres du public. Ça sera donc le dernier combat. C'est tout le mal que je vous souhaite. Ok, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. On continuera la prochaine fois. Donc en tout cas, j'espère que cela vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de Final Fantasy VII Remake. Allez, peace, prenez soin de vous.